Vous vous rappelez les nus roulages de pelle ou du Sadida l'arme de Sauron Ah oubliez-les, il y a un nouveau boss final et il s'appelle le FECA Bonjour à tous, c'est Team Tobias, et aujourd'hui on va tester le nouveau FK, mais plus particulièrement ses bottes de classe. Et pour ce qui est du stuff, globalement l'objectif est d'avoir un maximum d'intelligence, énormément de portée, mais surtout quelques résistances quand même. Et pour le reste, bah c'est très simple, je peux taper mes adversaires de n'importe où sur la map, et c'est n'importe quoi. Allez, trêve de blabla, passons au combat, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti directement pour les combats. Et bonjour YouTube Alors d'habitude, je vous explique un petit peu quel est le combo, comment ça fonctionne, etc. Etc. Le problème c'est que là, il y a rien à expliquer. Regardez, on va faire ça. J'ai la portée, je peux le taper à travers les murs. On met la flamiche pour booster les bennes. Et là bah bonjour monsieur. <laughs> c'est n'importe quoi. Allez Anne, tu te prends les bennes et puis moi je reste sur l'autre bout de la terre. Bon en plus on est face à un cra, le cra a plus de solutions pour venir nous mettre des patates à distance. Il y a 30% de raise aussi, hein, faut pas l'oublier. Pourtant ça nous empêche pas de lui mettre des solides moins 500 dans la tronche. C'est-à-dire que là, globalement, pendant l'intégralité du combat, je suis tranquille. J'ai aussi beaucoup de résistance feu, tiens. Ah bah oui, attends, je sais pas si c'est la lanterne, non mais j'ai doute. Qu'est-ce que je raconte là non, je pense pas, je pense pas. <laughs> Excusez-moi, je, peu... je suis complètement ravagé, hein, bien sûr. Après, je connais pas forcément le FECA à un milliard de pourcents. Je l'ai testé que très, 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 très rapidement sur la bêta et pas, pas de grand-chose. Aïe, 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 ça essaye de se cacher derrière un truc. Malheureusement, ça ne marchera pas. Alors, le problème, c'est qu'on a trois utilisations par tour, mais je pourrais pas le lancer sur l'adversaire. Donc, j'ai envie de vous dire, on va se remettre voilà, tranquillement notre petit bâton. Hein, pourquoi pourquoi se casser la tête à bouger, en fait Pourquoi bouger ça a pas vraiment d'intérêt de bouger. Il me semble que je peux pas taper avec autre chose à travers les murs. Hein. J'ai un doute au cas où je fasse, je fasse des bêtises. Mais je crois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réfléchir avec ce mode J'ai quand même un doute, un doute assez important. Hein. Bon, on va rester par ici. <laughs> on va rester par ici. Euh... Bah, Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire ce qui se passe Non, franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment trop, trop débile. Alors, j'imagine que ce mode est quand même pas. Complètement broken, il y a certaines classes qui sont beaucoup plus intéressantes. Je pense que l'Alcra, typiquement, si tu nous avait rushé un peu plus, peut-être qu'il y aurait eu des solutions. Bon, on rappelle, on avait qu'un Feka qui a des résistances un petit peu partout, mais surtout qui a, ça c'est très important, il a euh, des armures. Ces armures vont lui permettre de passer tout ça. On a une cape de Jage qui va nous augmenter nos résistances quand on se prend des dégâts. Il vient de mettre la l'acuité absolue, mais moi j'en ai pas besoin, mon pote. Et là, euh, on se casse pas la tête. Par contre, je vais juste me barrer. Euh, attends, la lanterne, je crois qu'on peut en avoir qu'une seule. Du coup, si je mets la lanterne Attends, je peux lui balancer dessus oh mais non. <laughs> mais non Bah. Bah pardon, hein. Tiens. Non, mais c'est pour dire bonjour, c'est important. Euh, J'aurais pu lui mettre en ébène, by the way. Mais bon, écoutez, on va juste se mettre des armures pour le prochain tour, si on est fini de lui, hein, quoi qu'il arrive, ben ou pas. Euh, je ne sais que vous dire. Là, ça me semble ça me semble compliqué, les gars. Ça me semble très, 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 très compliqué. Mais attends, il y a un truc. Euh... Non, 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 tout va bien, tout va bien, tout se passe, tout se passe pour le mieux. Ça va être ça va être la fin des Harry Codd, bien sûr, pour notre adversaire. Je vois pas trop ce qu'il pouvait faire, honnêtement. Euh, la 1200 points de vie, ouais, euh, c'est pas évident. Hein. Ceci dit, on lui a, on lui a presque laissé l'occasion de potentiellement nous tuer. Il hein. assez des trucs. Mais écoutez, ça va être une victoire pour ce premier combat. Et c'est parti pour la suite. Ça, c'est intéressant. On est contre un SRAM et il va pouvoir un petit peu nous embêter. Ceci dit, on va pas oublier maintenant la lanterne, elle permet de, de, de enfin, montrer les, les gens invisibles autour d'elle. Donc ça peut beaucoup nous servir. Et oui, j'ai bugué en fait sur le dernier combat, je me posais, posais beaucoup la question en mode, ok, les résistances, ça je savais, il n'y avait pas de problème. Par contre, la, la, la chose que je me posais vraiment de façon plus importante, c'était, mais pourquoi j'étais soigné 400 points de vie Mais oui, je joue actuellement. Avec le dofus sylvestre. Donc, je peux me permettre de mettre des clacasses euh, et pas me casser la tête. Ce qui, franchement, fait plutôt plaisir. Allez hop, c'est parti. On va mettre une flamiche là-dessus. On va directement lui mettre des patates. Bonjour monsieur. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. C'est pas grave si je prends des dégâts. Allez, bam, bam, bam. Il a pas de problème. Est-ce qu'on peut. Oui, on peut pas refiler hein, l'épidémie sur le, sur le double. Donc, c'est pas mal. Et là, on a mis une petite pression sur notre adversaire. Ceci dit, il va pouvoir euh, s'inviter. Il faudra vraiment qu'on le trouve avec tout ça. Mais ouais, non, le FK, franchement, c'est. C'est <laughs> quelque chose hein, franchement euh, j'avoue que ça refonte lui donne tellement de solutions que je, je, en fait je sais pas quel serait mon avis c'était pas à me dire dans les commentaires mais genre on peut dire qu'il est extrêmement fort ça c'est sûr et certain est ce qu'il n'est pas un peu trop ça, c'est une question. Après, je sais qu'il y a pas mal de gameplay qui sont quand même assez figés. Là, je joue un mode qui est vraiment un peu une dérive, on va dire, hein, plutôt des, des items de classe. Donc, qui n'aide pas forcément. Je pense qu'il a pas compris aussi que j'avais la l'APO pour aller le fracasse de n'importe où. Je crois qu'il n'a pas compris ça. <laughs> il va me faire expliquer. Il me met en état pesanteur. Bah ouais, mais bon, écoute. Euh, ah, sorry, hein. Bon, je vais devoir quand même taper. Je pourrais pas mettre la vigie dans le vide. Mais... Oh, attends, quoi que. Ouais, non, faut que j'avance un peu trop et je suis taclé. Non, non, mais on va juste lui mettre... Euh... Regarde, on va faire ça pour... Ah, il pourra me mettre.. Ouais, mais pourquoi est-ce que je m'embête vraiment Pourquoi embêter On va juste faire ça. On va se mettre des armures. Et puis ensuite, on va aller dire salut mon pote. Tiens, voilà, prends un petit moins 1000. Plus de ça, il y a les ben qui va retaper. Il y a plus que 1000 points de vie sur le SRAM. Et maintenant, bah notre but, ça va être de rester en vie. Mais en fait, j'avoue que... Mais le, avec ce mode, le Dofus Sylvestre qui me donne plus 424 HP par tour, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi les gars <laughs> Je sais même pas quoi vous dire. Bon en tout cas, j'avoue que c'est un peu satisfaisant. Là comme première vidéo depuis la 2.71. Hein, J'ai plein 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 d'idées, plein de choses. Je remercie aussi infiniment et vraiment je le dirai jamais assez mais Loman. Loman il me carrie le popotin vraiment dans beaucoup de cas euh, pour en fait bah, me donner des idées, de choses à faire ou quoi que ce soit. En ce moment je pense que vous l'avez vu, hein, je suis énormément sur Dofus Touch, je travaille beaucoup parce qu'il y a les nouveaux serveurs qui arrive bientôt euh, Et ça va être trop cool J'ai juste trop trop hâte Mais effectivement là j'avoue que ce mode c'est... Que dire quoi Vas-y bah tu peux faire péter ton double alors ça pique un peu, c'est sûr. Attends, mais si est... Bah... Oh c'est terrible <laughs> C'est terrible ce qui se passe Bah ouais mais mon pote, t as, t as, il a trop bougé Moi j'y peux rien J'y peux rien du tout, hein Allez hein Ciao ciao, à la prochaine Et bah let's go, 2 minutes 48, on va relancer un petit combat. Bon même le SRAM n'aura pas réussi. Euh, Va-t-on tomber sur un adversaire plus complexe Eh bien, réponse tout de suite et c'est reparti les amis, on est contre un sacrilleur et on va pouvoir commencer tout de suite à lui mettre des claquasses, donc pourquoi euh, s'embêter Voilà, oui bonjour monsieur, allez un petit ébène, on hein, vous en reprendrait bien un, en plus les petits moins 600 là, qui passe fois deux, c'est agréable. Est-ce qu'on se met plutôt loin Braf, bah, on peut l'attendre quand même, on peut essayer d'être sympa, de laisser arriver notre contact, allez vas-y. Soit on va essayer quand même de donner tout ça. On est en FK, fait autant profiter de nos autres sorts quand même. Ce serait vraiment plutôt pas mal, non On a l'éthergie aussi qu'on va pouvoir lancer si, si besoin. Bon, là ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui mettre la, la vigie plus double, double longueur et puis on va se mettre une fortification. Ce hein, sera très très bien. Bon, je pense que ce mode va être nerf quand même assez tôt. Regarde, je, je pense. Parce que en fait, j'y pense en PVM. Et en PVM, et imaginez le, le plaisir ultime que c'est quoi. Ah oui, il préfère jouer de loin. Ah, mais, mais quand il veut, il hein, n'y a aucun problème. Bah, on va juste se mettre de l'armure et hop, hein, je blame, je blame, blam, hein. Pourquoi se casser la tête Moi je peux pas me déplacer, hein, je suis soigné si je bouge pas. Hein, alors j'ai envie de te dire. <laughs> j'ai envie de vous dire. Mais en plus c'est terrible parce que je suis dans mon glyphe. du coup j'ai 43% de reste feu. Et s'il si me tape, j'ai en plus de ça, euh, comment dire, la, la cape de jage qui m'ajoute des restes. C'est à dire que là, vu qu'il tape feu, mais en fait c'est finito pipo. il ne peut rien faire. Genre vraiment, regardez, je suis un tank de guerre alors que j'ai 15% de rési partout quoi. C'est vrai que ça j'aime quand même pas mal sur le Fécal, le fait de pouvoir adapter ça, avoir un, quand même une grosse résistance aussi c'est intéressant, pourquoi pas, mais effectivement, bah, qu'est-ce que tu veux faire C'est déjà, déjà fini avant d'avoir commencé, il va venir à mon CAC donc il me donne un ébène, ensuite je le tape trois fois et, et c'est terminaux, hein. pardon à lui, mais ah quoique il est assez passif, et bon après me mettre du 3006 J'ai mets quelques doutes là-dessus, en plus on se fait souvent du 424, le 424 du Defi Sylvestre c'est insolent, franchement... Je suis désolé, mais 424 du Dofus Sylvestre, c'est affolant euh, et très insolent. Et je me dis qu'en PVM, mais punaise, mais je veux jouer ce FK en fait. En PVM, je veux juste stuffer ça et taper comme un abruti. Vraiment, hein. Je pense que là, le botte de classe, si c'est pas nerf d'ici un moment, je vais peut-être même m'en faire un juste pour le plaisir. Genre, il y a peut-être moyen que je m'en monte un juste pour farmer des trucs, <laughs> juste pour, euh, pour kiffer un peu. Il va se mettre de l'armure, hein. forcément, il veut pouvoir tanker pour avoir suffisamment de, de, quoi, euh, de quoi récupérer son dos argenté, scintillant. ceci dit, est-ce que ce sera faisable Eh bien, écoutez, réponse tout de suite, je pense que oui, parce qu'effectivement, il, il y a un ivoire qui va venir se mettre dans le tas. On peut se mettre un bastion, nous, pour être tranquille, comme ça, on se casse pas la tête. Et, euh, et on full tape. Pourquoi Pourquoi on ferait autre chose que full taper en fait Certes c'est un argenté scintillant mais ça fait pas tout, il vient de cramer son bouclier pour pas grand chose. Moi si je bouge pas je récupère des points de vie, je garde des résistances. Bon il a récupéré plus de 1100 HP quand même hein. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que là on est contre des mecs optiques quoi On est contre des mecs en de la thune C'est ça aussi qui est incroyable quoi avec ce mode. Là j'avoue je suis bien tombé. Hein. Le fait d'avoir 46% de res ça aide extrêmement bien. Je pense qu'il aurait bien, bien aimé me taper avec autre chose. Il va venir à mon contact pour me taper sous Bastion, mais Bastion du coup va me donner un petit peu de puissance et ça ça fait plaisir. Pour taper encore plus fort. Bon il me retire de la puissance donc au final il me donne pas grand chose. Et il essaye de se régénérer un max. Hein. Voilà et il, il, quand même j'avoue un truc c'est que euh, bon il nous embête hein, le monsieur. Euh, on va taper à distance quand même c'est plus intéressant pour mettre des dégâts. C'est parti je euh, C'est parti pour je bême je euh, non, faut que je le retape, faut que je le retape, j'allais dire est-ce que je mets des armures, est-ce que je mets quelque chose, non on va rester quand même dans notre glyphe, c'est important, on va le tacler parce qu'il a l'air d'être euh, d'être mi-contact, mi-distance, mi-il sait pas trop ce qu'il fait, donc, euh, donc on a ce qu'il faut. Là il y a un ébène sur lui, il y a plus d'argenté scintillant, il y a plus de... il est sous muti ou pas Non il a même pas relancé muti hein Si il a relancé muti, donc il doit avoir 400 ou 600 de shield, un truc comme ça. Après il faut qu'il l'utilise maintenant hein, parce que sinon ça va être compliqué. Heureusement on prend vraiment quasiment que dalle. Je vous, vous rendez compte que là si je mets forti, je prends quasiment moins 0. Ouais, je pense qu'il a toujours pas compris que j'avais pas le ligne de vue. Bon <laughs> bah du coup là je vais pouvoir me régénérer, c'est pas mal, allez hop, je bam bam bam. C'est parti. Pourquoi réfléchir pas très, pas très intéressant ni important. Il va se reprendre le d'office Ben. Attention, je vais pouvoir le relancer au début du prochain tour. Il y a 339 HP. Je crois qu'il a 800 ou 1200 de shield hein, quand même. 800, c'est sûr. Avec, euh, avec tout ça. Mais le problème, c'est. Attends, mais, je... mais attends, mais il joue trompe la mort en plus. <laughs> c'est une blague. Je me disais que son passif était un peu fort. Mais là, trompe la mort. Rah, vous vous rendez compte que là en bas, un sacré trompe la mort avec un stuff 15% de raise. Et, euh, et sans bouger quoi. En <laughs> faisant quasiment le challenge statue. Si ça c'est pas beau. Et effectivement... Oh 928 de shield, ah ouais C'était pas 800 On doit y avoir un truc qui est passé, ça, ça doit pas être grand chose mais c'est passé. Euh, J'ai les armures sur moi, donc je rends pas grand chose, on peut juste lui mettre des patates de ce fait. Hop là, un petit ébène, hein, c'est pour dire bonjour. Et là maintenant, il n'y a plus trop de solus parce qu'il a vraiment tout utilisé. Hein. Là, il a 575 HP, il a pas de dégâts, j'ai des armures, il a plus de dofus argenté scintillant, il a plus de mutilation, il a peut-être un, un pacte de sang, mais je pense même pas. Et il a libation dans le tour. Bah oui, il a libation, donc il va récupérer des points de vie, j'ai rien dit. Effectivement, il y a la libation qui va l'aider. Bon, ceci dit, on stagne d'un côté point de vie vu qu'on soigne avec notre dofus. Là on prend que du moins 153, il vous dire on n'est pas, pas trop dans le mal pour autant. Il met des efforts hein, quand même pour pas se mettre en ligne de vue. Oh oui d'accord, il met carrément en bon, manquer okay. <laughs> ok on en est là. Ça augmente le, le soin de... J'ai un doute que ça augmente le soin de machin. Euh... J'ai vraiment un doute sur le sujet. Oh, il a 3300 HP max. Genre, on l'a tellement tabassé qu'il a 3300 HP max. Ça me termine. Alors on va faire ça, puis on va se rebastion, encore une fois. Hein. Ça le force à venir au contact, etc. Ça m'empêche de prendre des dégâts. Moi, ça me convient. Il a 433 HP. Il a remis quand même... Hein, le... Le... Enfin, il va récupérer du shield au bout d'un certain temps. Après, je pense pas qu'il peut résister à l'infini non plus. Hein. Euh, clairement... Je sais pas si je vous mets ce combat en entier. C'est intéressant quand même de voir que... Là, il a le stuff de fou... Et il tente tout, il donne tout et ça marche pas. Donc, euh, donc bon, on va voir. Il met une kawatt, ok, pourquoi pas. Ah oui, kawatt pour voler des points de vie. En fait, lui, son but c'est de voler des points de vie. Je veux tryhard pour essayer de nous tuer quand même dans le temps. Le problème c'est que dans le temps, c'est pas évident. Hein. Euh, J'ai un tour de charge sur les ben. Je vais juste vérifier qu'il part pas. J'ai pas envie de faire de bêtises. Non, ok, là les on va pouvoir leur mettre. Donc on peut lui mettre une petite, euh, petite flamme flamme. Pour, pour dire bonjour, voilà, on va se mettre un peu à distance et c'est parti pour full taper. Est-ce que c'est pas la fin des haricots pour lui Ça ça y ressemble hein, avec, avec les bennes. Bon, même sans les bennes, hein, ça va être la, la victoire. Non, je vous laisse le combat en entier juste pour le côté. Le mec avait un stuff, je sais pas, le plus résistant du monde et pourtant, avec notre stuff, euh, c'est. Que vous dire Bon, un dernier petit combat pour le plaisir et, et je pense qu'on aura déjà fait le tour. Et on va tester bien sûr les autres gameplay du FK dans les prochaines vidéos. Bref, c'est parti et nous sommes de nouveau contre un Kra et on va pouvoir directement eh bien lui mettre des petites patates. J'aime bien les crânes parce qu'en fait, euh, effectivement, c'est une des rares classes qu'on peut un peu fracasser. En plus de ça, on peut le retirer de la portée assez facilement, que ce soit avec Bulle ou avec Stratus. Donc si besoin, hein, vraiment, si, si on a envie de l'embêter, eh bien pourquoi pas. Alors il pense être à l'abri, mais ça ne sera pas trop possible. Hein. J'en suis bien avré monsieur. Hop là, on va faire ça et puis on va lui mettre des petites patatas fritas dans la tronche. Gros avantage, c'est que les Kra, ils n'ont pas de grosse solution pour pouvoir se régénérer ou se booster. Donc là, ça va être un peu un combat d'abrutis, sauf que moi j'ai des armures. <laughs> Donc du coup, il y a peu de chances que ce soit moi l'abrutis à la fin. Oh, en plus, il joue feu. Mais non. C'est Gucci, cette affaire. C'est totalement Gucci, c'est totalement Terminado, mon frérot. Aïe aïe aïe, malheureusement, hein, ça, ne, ça ne marchera pas. Euh... Ouais non c'est finito pour lui je pense. En fait je vois pas comment il s'en sort dans le sens où maintenant je peux mettre des armures. Et là une fois que les armures sont mises avec les résistances que j'ai et tout... Euh... Il est oeil pour oeil pour me repousser ou me retirer de la PO. C'est bien joué de sa part. C'est pas dégueu de sa part. Après euh, bon je pense que j'ai assez de portée. Il a pas de problème. Il hein. y a pas de problème les gars. Il a pas de problème. Hein. Quoique... Attends. J'ai perdu de la PO là avec son œil pour œil. Soin de l'attaquant, 20% de damage subi. Ah, mais il a changé l'œil pour elle. Oui, c'est vrai que le Kra aussi changé. C'est pour ça que le tir répulsif, il est feu d'ailleurs. Ah, donc, comme ça, en fait, à chaque fois. Ok, œil à... pour elle, du coup, c'est qu'à chaque fois qu'il me tape, il va se régénérer. Mais vu que j'ai des armures, ça marche pas. <laughs> donc, tout va bien. <cannabis> tout va bien, tout va bien. Ouais, je redécouvre aussi hein, pas mal de choses sur les classes. Je vous prie d'être indulgent, bien sûr. Ah, il veut, il veut venir au contact Je sais pas trop. Parce que là, moi, je veux juste me hein, bastion. On hein, va se bastion, on va le nice, fracasser, c'est tout. Hein. Pourquoi s'embêter finalement On pourra juste pas pro. Oh, attends J'aurais pu aussi. Ouais, mais je l'aurais pas fini. Je suis persuadé que je l'aurais pas fini, donc je peux juste me mettre par ici. Regardez, on va se mettre derrière le mur, même si il TP là-bas, on est un peu tranquille. Et là, de notre côté, il va être, encore une fois soigner de 20%, mais je suis bastion. Il faut, at faut atteindre mon contact. Même s'il a beaucoup de sorts de déplacement, j'ai suffisamment de résistance pour le tanker, je pense. Donc ça va être une petite victoire et un petit bonbon pour la fin, voilà, typiquement. J'espère en tout cas que euh, ce type de, de contenu vous plaît, hein, avec des stuff un peu débile forcément, c'est sûr. Mais vous en faites pas, j'ai une liste de, de plein plein de stuff aussi à, à tourner. Et j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, hein, franchement, à me conseiller des choses dans les commentaires. Je veux pas vous garantir que j'aurai le temps de tourner tout ça d'ici les nouveaux serveurs de dofus Touch, là c'est vraiment la course. Mais écoutez, on verra bien. Et on finit du coup diamant 4 sur euh, ces petits matchs de placement. Ça fait plutôt plaisir. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot doge dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo!